Aujourd'hui, tout tourne autour des machines agricoles à Arberg. Seuls les meilleurs apprentis de dernière année sont qualifiés pour le concours professionnel des Swiss Skills. Ils doivent montrer ce dont ils sont capables en étant sous la pression du chronomètre. Le meilleur pourra participer aux Euroskills. L'expert Martin Scher nous explique un des postes. Il s'agit de trouver les causes de pannes électriques sur ce modèle de chasse-neige qui a de nombreux composants électriques et électroniques. Pour être un bon mécanicien en machines agricoles, il faut maîtriser de nombreux domaines. On le voit à travers nos postes, nous avons des moteurs, des circuits électriques et électroniques, des engins hydrauliques. Ça, c'est une partie. L'autre, c'est le contact avec les clients qui viennent directement à l'atelier. Ce qui fait que le tout est très exigeant. Un poste est une surprise. Ici, c'est notre poste surprise. Le candidat doit montrer de quoi il est capable sur ce vieux véhicule. Nous avons volontairement choisi un vieil engin sans beaucoup de gadgets, mais il ne reçoit pas de documentation ni de schéma. Il doit donc vraiment montrer ce qu'il a appris et ce qu'il sait faire. Apprendre par cœur ne suffit pas. Les mécaniciens agricoles doivent vraiment montrer ce qu'ils ont compris de leur métier. Aujourd'hui, on a vu quelque chose qu'on ne nous avait encore jamais demandé de faire. On apprend chaque fois quelque chose de nouveau, c'est ça qui est beau. Demain, le vainqueur qui pourra se rendre au Danemark pour les Euroskills sera connu.